Il n'avait plus rien. Il n'avait plus rien. Tu réponds. Il n'avait plus rien, il était tombé. Tout le monde l'a fui. Mais moi, je suis resté en Europe. J'ai payé sa maison jusqu'à sa mort. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il est tombé malade et il m'a dit, bon, écoute, j'ai rêvé. Tu es tombé malade, tu ne marchais plus. J'ai dit, ah bon? J'ai vu nos pays, tu payes, tu ne marchais plus. J'ai dit, ah bon, c'est quoi ça? Il dit, mais ne t'en fais pas, j'ai prié pour toi. J'ai fait 3 jours de jeûne sec. Alors, j'ai une tante qui était venue de la Mecque, je suis allé chez elle, je revenais à la porte d'Ivry, où il y a le grand pont là. Je fais une crevaison. Je m'arrête sur la route, je vais changer la route. L'esprit me dit, si tu changes la route aujourd'hui, tu vas mourir. J'ai dit, bon, je vais me débrouiller, je vais sortir du périph. Après, j'entends, fia, il y a une voiture qui me ramasse. Je suis par terre. Voyez mon pied? Voyez mon pied là? Une opération. Celui qui a opéré Ronaldo, c'est lui qui m'a opéré, le process ayant. J'ai fait 2 ans sans marcher. Et la nuit, je suis couché sur mon lit. On me dit, tu devais mourir cette nuit. Mais tu as été sauvé par Saint-Michel. J'ai dit à mon voisin, mais Saint-Michel, c'est qui? Lui, il dit qu'on n'a pas. Il y a une femme qui vient visiter les malades. Je dis, mais madame, Saint-Michel, c'est qui? Elle dit, c'est un ange qui sauve les personnes en détresse. J'ai oublié le rat de mon ami. J'arrive à la maison, je suis en train de pousser mon plat. Je fais les 4 pattes. Je pousse mon plat, j'ai chauffé au micro, je vais au salon pour regarder la télé. Puisque je ne marchais plus. Et il m'a dit que je ne marchais plus. Je l'ai appelé. Oui, tu m'as dit que je ne marchais plus. J'ai fait un accident, je ne marche pas. Il dit, mais mon ami, je ne pouvais pas te dire pour ne pas te faire. C'est la mort que j'ai vu. Mais j'ai prié Saint-Michel pour toi. J'ai vu la mort et j'ai dit à mon supérieur, il m'a dit non, il y a trop de sorcellerie dans ta famille. Je n'ai pas voulu te dire. Vous voyez? Et c'est là que je me suis dit que quand j'ai vu vos vidéos, il fallait que je vienne. Je suis arrivé lundi. La première des choses à faire, c'est de venir ici. Voilà. Dieu va te délivrer. Amen. Quels sont ceux qui viennent de l'Europe qui sont là? Vous venez de quel pays? Vous venez de France, Vous êtes dans lequel est l'Ontario? Je suis à Trèves. Ok. Dans l'Ouest. Ok. Où est l'Ontario parisien? Vous n'êtes pas de l'Angleterre, dans quelle ville? Non, d'accord. C'est tous sont les 3 personnes? Ah, mais si, oui, elle est venue. Toi, tu viens de la France, c'est ça? Oui, elle aussi, elle vient de la France. Donc, il y a aussi une autre personne. Voici un petit français. Vous êtes à Paris, c'est ça, vous aussi? Oui, à Paris. Oui, donc, c'est pour dire que ce ministère, c'est un ministère international. Les gens nous suivent un peu partout. Nous allons essayer de nous améliorer à Mathieu, les qualités d'image. Nous sommes en train de penser au direct. Voilà, avec le service de communication, pour avoir des vidéos, des caméras pour faire le direct. C'est-à-dire que les dimanches, ou pendant les veillées, pendant que nous sommes en train de veiller, faire des trucs en direct. Mais pour vous dire que Jésus est Seigneur, au départ, quand les gens voyaient les vidéos, ils pensaient que c'est des montages. Voilà, ils pensent que c'est des montages et qu'un sorcier ne peut pas venir parler devant quelqu'un. Amen. Mais voilà, les gens pensent que, ah non, ça c'est. Où est le prophète? Non, c'est des montagnes. Non, c'est Dieu est souverain, Dieu est puissant. Et là où il y a un besoin, Dieu apporte toujours une solution. Et le problème de l'Afrique, c'est la sorcellerie, c'est tout. En Europe, tu vas parler de sorcellerie, personne ne va t'écouter. Personne. On n'a pas ça au sérieux. Mais l'Afrique, quand tu vas commencer à parler de problèmes de sorcellerie, tout le monde étant victime, vont commencer à prendre ça au sérieux, t'écouter. Jésus va te délivrer. Moi, j'ai foi en ça. Je crois que Jésus va te délivrer de cet esprit-là. Madame, Jésus aussi va te délivrer. Vous allez lâcher sa vie. Allez! Commande! Allez! Commande! Commande! Allez, Comment?
blessure. Vous libérez sa vie maintenant. Au nom de Jésus. Lâchez sa vie. Lâchez-le. Lâchez sa vie. Libérez-le au nom de Jésus. Quitte sa vie. Quitte sa vie. Quitte sa vie. Oui. Je sais que tu es là. Lâche. 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 Oui, va-t'en. Va. Allez. Allez. Oui. Feu. 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 Allez. Oui, lâche-le. Comment? Où est le chef de l'homme? Ça va? Dieu vient de la France, c'est aussi un problème. Jésus va le délivrer. Comment? Allez! Lâchez-le. Même au nom de Jésus. Lâchez-le maintenant même au nom de Jésus. Lâchez-le maintenant au nom de Jésus. Libérez-le. Je vais le libérer. Lâchez sa vie. Lâchez sa vie. Lui, lâchez-le. Oui, lâchez-le. Feu. Oui, feu. Je consume vos œuvres dans ce corps. Au nom de Jésus. Comment?
Feu. 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 Allez. Allez. Elle explique contrôler ses finances après lâcher ses finances. Non. Mets le ventilateur. Allez! Lâche tes finances au nom de Jésus. Lâche tes finances. Oui, lâche. Lâche tes finances. Lâche tes finances. Oui, lâche tes finances. Lâche tes finances. Lâche tes finances. Oui, lâche tes finances. Lâche tes finances. Lâche ton argent. Oui, lâche. Lâche son argent. Allez! Feu! 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 Allez, lâche son argent. Lâche son argent. Lâche ses finances au nom de Jésus. Libère ses finances. Maintenant même. Par la puissance qui est dans le sang de Dieu. Oui, lâche-le. Au nom de Jésus. Libère-le au nom de Jésus. Laisser ses affaires, ses finances et toute sa destinée dans le nom de Jésus. Oui. Attends. La cherche en effet. Lâche-le. Va-t'en, lâche-le. Au nom de Jésus. Libère maintenant. Lâche-le au nom de Jésus. 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 Libérez-moi cette vie. Libérez-moi cette vie. Au nom de Jésus.
Kit Kabi. Bata. Ah oui, oui. Bata. Quel est ton nom? Oui. Toi. Qu'est-ce que tu as détruit dans ta vie? Oui. Qu'est-ce que tu as détruit? Qu'est-ce que tu as détruit? Qu'est-ce que tu as détruit? Ah oui. Qu'est-ce que tu as détruit dans sa vie? Tu vas me parler. Qu'est-ce que tu as détruit dans sa vie? Qu'est-ce que tu as détruit dans sa vie? Oui, toi. C'est à toi que je m'adresse. Oui. C'est à toi que je m'adresse. Qu'est-ce que tu as gâché dans sa vie? Oui. C'est quoi? Oui. Oui. Qu'est-ce que tu as détruit? Oh là là! Qu'est-ce que tu as détruit? Ah oui, oui! Qu'est-ce oui. que tu as détruit? Oui! Oh. Qu'est-ce que tu as détruit dans sa vie? Ah oui! Oh. Tu vas partir? Oh. Qui es-tu? Toi? Quel est ton nom? Toi tu possèdes ça? C'est pas possible. Toi tu possèdes c'est ça? C'est pas possible. C'est possible. Non. Si, c'est possible. Non. Quel est ton nom? Quel est ton nom? Le feu sur toi. Le feu sur toi. Le feu du Saint-Esprit sur toi. Feu! Oui, feu! Tu vas me donner ton nom. Tu m'attends? Tu vas me donner ton nom. Cette ville ne t'appartient plus, elle appartient à Jésus. Lâche-moi sa vie. Va-t'en. Va. Quitte sa vie. Quitte. Voilà, va-t'en. Feu. Le feu sur toi. Le feu sur toi. Quitte sa vie maintenant même. La puissance de Jésus écrase ton pouvoir dans ce corps. Quitte sa vie. Oui, tu vas partir. Cette vie ne t'appartient pas. Va-t'en. Quitte sa vie. Laisse sa richesse. Laisse son bonheur, laisse sa chance, son bonheur, lâche sa bénédiction, oui, laisse sa bénédiction, laisse son bonheur, laisse son argent, oui, laisse, oui, libère, voilà, libère ses finances, feu,
esprit, libère ses finances. Libère, viens. Amenez-moi le petit. Laisse ses finances au nom de Jésus. Lâche ses finances au nom de Jésus. Lâche ses finances. Libère ses finances au nom de Jésus. Libère. Libère-le maintenant même. Le feu sur toi. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu consume tes œuvres. Et lâche sa chance. Lâche sa chance. C'est un homme très chanceux. Il est très chanceux. Et le pouvoir des ténèbres a détruit sa chance. Ça va chez l'enfant? Non, prends le micro, il faut prendre le micro. Oui, comment t'appelles? Sylvain. Ça va? Tu as bien dormi? Tu as bien dormi? Non. Pourquoi? La faim? J'ai dormi. Ah, il est trop blanc. Qui a attendu? Hein? On n'attend pas ton français. Donne à ta maman. Elle va parler français de Côte d'Ivoire. Ça va? Qu'est-ce que l'enfant veut? Et tu es venu? Tu viens d'où? Il vient de la France. Oui, qu'est-ce que l'enfant veut? Moi, je viens avec lui. L'enfant, il n'allait pas bien. Parle dans le micro. Parle dans le micro. Oui, il n'allait pas bien quand il passait à l'école. Il s'est promené dans les couloirs. Oui. Donc, il y a un cassa qui sortait. Il bavait. Il bavait. Je n'avais pas qu'il avait tout sauf, c'est moi qui l'aidais. Mais juste, on est arrivé ici. Depuis quand vous êtes venu, quel est le changement? Ça, c'est le témoignage, c'est important. Qu'est-ce qui a changé dans sa vie? Il est là tout seul. Il est là maintenant tout seul? Hein? Dans le micro. Il était là maintenant tout seul? Tout seul. Qu'est-ce qu'il ne pouvait pas faire qu'il a commencé à faire? Vous, ma maman? Oui. Il ne parlait pas, c'est ça? Oui. Il n'avait pas de mémoire? Oui. Oui. C'est ça? Oui. Viens, son oncle, viens. On va faire une petite expérience. Dieu aime le témoignage. Non, Dieu aime le témoignage. Amen. Qu'est-ce que c'est ton neveu? Oui. Voilà, quel est le changement que tu as constaté dans sa vie? En fait, quand il est venu pour lui d'avance, la France, oui. Bon, en fait, son visage était carrément différent de ça. Et puis, à peine qu'il connaissait les gens. Oui, il ne connaissait pas les gens. Même, il était sur le médicament. Genre, c'est une crise de folie. Nous, c'est ça ici. Chez eux, ils disent que c'est pas la folie. Pour nous, c'est la folie. Et s'il avait pas ce, il fallait sa maman pour faire cette toilette. Donc elle m'a constaté depuis la France, j'ai demandé qu'elle vienne ici pour qu'on puisse souvent être libérés. Parce qu'avec nous, Jésus a déjà guéri pas mal de fous, nous avons vu des personnes folles qui ont été guéries. Donc quand il est venu, quel est le changement? Ça fait 10 jours que vous êtes là, c'est ça? Ça fait 10 jours qu'on est là. Ça fait 10 jours. Au début, on lui posait la question qu'il ne connaît pas. Il répondait pas. Bon, là, il va avancer à son état. Il lui avait dit. D'accord. Bon, il lui a posé la question le matin, le jour, il avait un problème. Le jour, le matin, il lui a posé la question, ça va bien. Bon, moi aussi, ça me voit bien. Elle avait dit 9x9, déjà elle a répondu. Je sais même que ce matin, il doit répondre. Il faut poser la question. 8x7. Donne-moi le nom de ta soeur. Tu en as combien de soeurs? Non, le micro. Deux soeurs et un frère. Oui, tu as combien? Deux soeurs et un frère. Deux soeurs et un frère. Donne-moi le nom de ta soeur. Il y a une petite soeur. Il y a Laetitia. Il y a Inès. Et Inès. Le frère s'appelle quoi? Il y a Jean. Quoi? Il y a Jean. Où est ton frère? Liaison. Liaison. Ah, Liaison, ok. Tu fréquentes? Oui, j'allais à l'école. Mais non, en fait, j'allais. Tu allais à l'école? Oui. Et tu as arrêté? Oui. Et pourquoi? C'est là parce que j'avais un problème. T'as un problème? Oui. Quel problème? Que j'ai un problème, je vais transformer en pigeon. Quoi ça? Je vais transformer en pigeon. Qu'est-ce que tu dis? Il s'est transformé en pigeon. Il s'est transformé en pigeon. Comment explique? Il se voit pigeon dans les poils, dans les plumes, c'est ça? Non, parce que maintenant, il y a un goût. Oui. Tu te transformes en pigeon. C'est transformé en pigeon. Il se transforme en pigeon. Il a l'impression qu'il a des plumes. Voilà, c'est tout bon. Tu avais l'impression? Il a l'impression de ne pas pouvoir parler. La gorge est serrée, il n'arrive pas à parler. La gorge est serrée. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tu sens que c'est décidé. Ça va? Oui, ça va. Ça va? Oui. Au niveau de la gorge, ça va? J'ai toujours ce coup ainsi quand je mange. D'accord. Mais qu'est-ce qui a changé? J'arrive à parler. Merci. Tu arrives à parler. Tu ne parlais pas auparavant.
Tu as du mal à parler. Maintenant, tu parles. Ok, gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour ça? Tu es en quelle classe? Là, je suis en seconde. Pardon? Seconde. Vas-y, il faut lui poser les. Tu es bon en mathématiques? Non, pas trop. Pas trop, mais essaye de poser les. Ouais. Vas-y, prends le micro. Bon, regardez, il y a 80. Combien? 80. Ouais. 81 en fait. Et 78. 56. Ok, est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Jésus en train de te guérir. Jésus te guérit. La puissance de Jésus-Christ te guérit maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Je détruis la présence des démons dans ta vie. Je maudis la présence des ténèbres dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame maintenant même ta délivrance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te communique sur le guérison. Merci Jésus, tu le guéris. Merci Jésus, tu le rétablis. Merci Jésus. Merci pour ta main. Merci de le guérir. Jésus. Tous. Nous, Jésus. La gloire de Dieu sur la vie. Elle libère ta conscience et ton subconscient. Jésus te délivre maintenant. Les démons n'avaient plus de pouvoir et de place dans ce corps. Dans le nom de Jésus, je proclame ta délivrance. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer comme ça? Jésus t'a guéri. Dis Amen. Amen. Donc, allez, j'assois. Il est troublant dans la tête. Et quel ministre en moi, il dit, c'est pas un problème mystique. Il dit, qu'est-ce que tu en sais? Il dit, c'est pas mystique, c'est pas mystique. Il dit, mais qu'est-ce que tu en sais? Ah, c'est vraiment merveilleux. Quand l'enfant venait, il avait tous les problèmes. Il bavait. Il avait un regard agressif. C'est-à-dire, quand il te fixe comme ça, il n'en a pas les yeux sur toi. Et puis son visage était bizarre. Moi j'ai rassuré ses parents, j'ai dit Jésus va le guérir. Ici on a vu trop de cas, ou bien à Zaroko, on a vu des cas, même des jeunes, on prend des boîtes. Et puis on a vu en quelques jours, une semaine, Jésus-Christ les a délivrés. Dieu est puissant. Dis à quelqu'un, Jésus est puissant. Ça va chez la vieille? Ça va? J'ai regardé hier la vidéo, la vieille danseuse de vous. La vieille danseuse. Elle dit quoi? Elle dit un peu. D'accord. Un peu seulement. Elle n'a pas mangé. Elle a un funérail ici. Nous sommes en joie et elle pleure. Où sont les enfants là? Ces enfants là? Elle pleurait hier. Pourquoi? Nous on a vu ça ici. Son fils là pleurait ici. Hein? Ça fait mal comment? Hein? Ah! Elle te mangeait à Kouissi, tu allais comprendre. Banane, oui. Quand
Il a vu dedans. Non, ici c'est comme ça. Quand tu discutes, tu viens voir. Mais est-ce qu'elle a pu manger hier? Pourquoi? Ou bien elle veut un visa? Elle veut un visa. Mon consul est là, hein, le consul honoraire de la Mauritanie. On va te signer le visa. Non, ça va, arrêtez de parler, ça va. Tous. Allez vous asseoir. Tout à l'heure, on aura un entretien, ok? Est-ce qu'on a prié pour toi? Pour toi, tu as Ibrahim. Bien sûr. Tu as amené les crêtes en deux corps. Est-ce qu'on a prié pour la mère? Venez, vous avez des. Venez, il avait tout. Venez. Deux maris, pour la nuit et pour la journée. Non. Parce qu'en fait, je ne suis pas le. On a dit depuis les soirs, je ne parle pas. Avec cela, ça va? Mon hein? On t'a attaché. Elle a mis quoi? Mais, comment elle dit? Elle t'a smouché. Comment elle va? Elle est crête. Oui, lui là. Laisser. La finesse en série. Hein. Venez rapidement. Va l'aider. Bébé, la sorcellerie. J'ai vu quelque chose tout à l'heure là. Oui, je vais passer sa tête. Va-t'en. Thank you.
mettre la main sur lui. Aide la main comme ça. Va. Avec elle. Tu m'as fait coucher avec elle. Tu l'avais vendu à ses parents. Tu l'as vendu à ses parents. En échange de quoi? D'un crapaud. Tu peux être délivré. Tu as parlé. Qu'est-ce que tu as fait? Hein? Tu avais quoi? Tu vas faire la fête en moi. Tu as fait quoi? Tu n'as pas failli le tuer tout récemment? Hein? 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 Comment je suis en train de jouer, toi? Qu'est-ce que tu as voulu faire? Qu'est-ce que tu as fait? En quoi faisant? Tu as fait quoi? Il a failli mourir. Ah, oui. Hein? Il a fait 2 semaines à l'hôpital. À l'hôpital. Comment ça s'est passé? Oui, mais un dimanche le matin, j'ai eu froid et à 17h, les gens me disaient que j'étais dans le coma. Dans le coma et ils ont envoyé directement une voiture dans la maison et ils m'ont envoyé un autre. Sinon, je n'ai rien compris. Tu n'as rien vu dedans? Non, non. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que ça fait? Explique. Vous savez, quand vous êtes en train de chasser un démon de la sorcellerie, que l'esprit ne bouge pas, c'est qu'il y a des choses qu'elle n'a pas fini de parler. Donc quand j'ai posé les mains, Dieu me révèle en même temps la chose. Qu'est-ce que tu as fait? Où tu as mis son âme? Hein? Là où ça? Hein?
canal. Ça veut dire quoi? Hein? Vous avez déjà mangé ou étiez dans les canaries? Hein? Mais pourquoi tu ne dis pas ce que tu as fait? Hein? Et puis tu veux que tu voulais déjà manger. Le cœur, donc tu as donné ça qui? Le cœur est entre la main de qui? Son cœur. Sa femme. Toi, t'as mangé quelle partie? Hein? C'est moi, t'as envie de t'amuser. T'as mangé quelle partie? Vous l'avez transformé en biche, c'est ça? Et toi, t'as mangé la tête. On va régler ça tout à l'heure, d'accord? Voilà, beaucoup de choses, on va régler ça. Tu as mangé la tête et quoi? Et la cuisse, c'est ça? La tête et la cuisse. Vous êtes comme, vous êtes un cadavre, vous ne vivez pas. Mais Jésus va vous ressusciter. Amen. Il est capable de donner la vie même aux morts. Non, non, on ne crée pas les palabres après. Non, non, non. Jésus va te délivrer. Peut-être le courage de parler. De parler, mais si c'est vrai, elle va parler. Elle a déjà parlé. C'est la seule chose qui restait. Elle a caché. Et c'est pas bon. Ils ont toujours une capacité de cacher certaines choses. Et c'est pas bon. Quand tu as mangé, elle peut plus redonner. On peut plus restituer ça. Donc elle cache la chose. Pour elle, c'est fini. Ok? Mais Dieu va te redonner la vie. Ça va? Nous nous t'aimons. Hein? Mais c'est ce qui est en toi là qu'on combat. C'est très dangereux. Ce qu'ils ont mis en toi est très dangereux. Allez vous asseoir. On va s'occuper d'elle. Elle a besoin encore des jours avec nous aussi. Pour être délivrée de notre Seigneur aussi. Amen. Monsieur, vous voulez? Il y a un monsieur qui est appelé derrière. Venez que je te prie. Donnez-moi lui. Il est en bleu là. Bon, après le pasteur va dégoûter. D'accord? Voilà. Présent de la sorcellerie. En toi, pourquoi on te dit ça? Je vois, j'en ai. Aujourd'hui même ton âme sera libérée. Questions. C'est lui qui a dit que c'est mon grand-père qui a dit de lever mon pain.
qu'il ne voulait pas. Puis ma grand-mère a dit que dans la maison, il ne sait pas qu'il y a un monde. Qu'est-ce qu'il y a là? Vous aussi, vous allez mourir. Parce que comme ça, quand il s'est arrivé là-bas, il allait tout ça. Il dit c'est comme ça, il dit que des dieux dehors. Donc c'est comme ça, il dit au dehors. Maintenant, il dit cette année-là, comme mes parents ont oublié que nous sommes sortis, donc on n'a pas donné trois personnes. Ça y est donné, une fois par ma grand-mère, ma tante. Ils sont venus le froid, donc ils ont mangé sous tes yeux. Oui. Comment c'est passé? Explique-nous cette scène. Quand je suis allée là-bas, maintenant il y a une femme qui là-bas dit qu'elle n'a pas les tuer. Ça y est, dit oui. Puis je l'ai regardé, puis ça n'est le tuer. Voilà. Je l'ai regardé, puis ça n'est le tuer. Ils l'ont bien dépêché. Oui. Pour dépêcher. Pour moi dire pour vous. On m'a envoyé Scott Philippe, va aller voir chez vous. Parce que j'ai pas le temps de. Le pasteur ira chez toi aujourd'hui.